tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre première édition de la semaine. Pour commencer ce journal, direction Los Angeles, où la princesse Charlène s'est rendue afin de participer à une grande journée de sensibilisation dédiée à l'apprentissage de la nage chez les plus jeunes. Nous parlerons de l'exposition « Les idées reçues en préhistoire » qui est à découvrir au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Et nous reviendrons sur la victoire de l'AS Monaco Basket à domicile face à Vichy, 65-54. L'occasion pour les joueurs de Savo Vucevic de célébrer la montée en Pro B avec leurs supporters. Depuis la création du programme Learn to Swim, la Fondation Princesse Charlène s'est mobilisée pour favoriser l'apprentissage de la nage chez les plus jeunes. Après Agadir et le Cap-Breton, c'est en Californie, aux États-Unis, que la princesse s'est rendue afin de participer à une grande journée de sensibilisation. Un reportage de Patricia Navarro. Chaque année à travers tous les États-Unis, à la fin du printemps, de nombreuses écoles de natation participent au Safer Three Water Safety Challenge. Des enfants qui ont bénéficié de cours de natation sont invités, sous le regard de leur famille, à participer à plusieurs ateliers destinés à leur enseigner les bons gestes à adopter pour évoluer dans l'eau. Dans la proche banlieue de Los Angeles, à Tustin, ils ont été une vingtaine à plonger dans les bassins de la Blue Buoy Swim School, avec à leur côté une invitée et professeure venue de très loin, spécialement pour eux, la princesse Charlène. Ici, il s'agit au départ de faire comprendre aux gens qu'il existe un risque ou des risques quand vous êtes autour, dans ou sur l'eau. Il n'y a rien de mieux que d'être informé. Nous nous basons sur la technique des 3 R. Il y a toujours des risques, nous devons les reconnaître et devons les réduire en mettant en place des stratégies comme l'apprentissage de la nage, apprendre les mesures de sécurité en mer, porter des gilets de sauvetage, apprendre les techniques de secours ou, dans notre pays, appeler le 911 en cas d'urgence. Aux États-Unis, comme dans les pays les plus pauvres où la natation ne fait pas partie des enseignements académiques, les risques de noyade sont bien réels, et encore plus sur les zones côtières de Californie où l'océan Pacifique peut être déchaîné. La noyade représente la première cause de décès par accident pour les enfants de moins de 5 ans en Amérique. Et les petits nageurs qui ont eu la chance de rencontrer la princesse à Tustin ont tous bénéficié de l'aide de la Fondation Princesse Charlène pour le financement de leurs leçons de natation. Ils sont issus de familles déshéritées affiliées à l'association Village of Hope. Nous sommes entrés en contact avec des écoles et nous avons identifié des enfants qui devaient bénéficier de ces cours de natation. Ils se sont ainsi vus offrir des moments tout à la fois ludiques et instructifs. Ils viennent d'un peu partout dans le comté d'Orange. Ils sont entre 10 et 12 à avoir pris part au programme. Pendant plusieurs semaines, ils ont suivi des cours et aujourd'hui, c'est le grand jour pour montrer à leurs parents et à nos équipes ce qu'ils ont appris. Et pour assister la princesse Charlène dans les bassins de la Blue Buoy Swim School, il y avait une quintuple médaillée olympique américaine. Dara Torres, la nageuse, fait partie des ambassadeurs de la Fondation Princesse Charlène. C'est extraordinaire ce qu'ils ont mis en œuvre ici. Être associé à la princesse avec la passion qui l'anime. Vous savez, j'ai une fille âgée de 8 ans et je sais combien il est important d'enseigner ses gestes. J'habite en Floride où l'eau est très présente. Vous avez entendu le nombre de noyades chaque année. Et quand la princesse m'a demandé d'être une ambassadrice de sa fondation, ça a été un grand oui. Elle est tellement passionnée. C'est beau de voir quelqu'un avec son statut défendre des valeurs avec autant de force. Pour compléter le volet enseignement-apprentissage de son programme Learn to Swim, la Fondation Princesse Charlène offre aussi régulièrement des planches aux sauveteurs en mer. À Los Angeles, 5 planches de ce type ont été remises à l'association Isla, 2 resteront en Californie, 3 seront envoyées sur la côte Est, en Floride et en Caroline du Nord notamment. C'est très important pour nous ici en Californie. Vous n'imaginez pas le nombre de touristes que nous avons. Nous avons de très belles plages populaires avec des conditions de mer idéales pour le surf.
Prenez Disneyland, qui est une grande attraction. Eh bien, les plages ici représentent un attrait énorme et il y a bien plus de monde sur les plages qu'à Disneyland. Vous savez, ce n'est pas si facile d'utiliser ces planches, mais si vous êtes bien entraîné, vous pourrez aller peut-être 2, 3 ou même 5 fois plus vite avec ces planches de sauvetage. Au-delà des sessions dans l'eau, la princesse Charlène a pu partager de beaux moments de convivialité avec les enfants et leurs familles réunis autour d'un barbecue typiquement américain. Elle devait ensuite rejoindre Los Angeles pour y recevoir à Beverly Hills une récompense décernée par l'association Colleagues pour son engagement auprès des enfants. Et dans le reste de l'actualité, vous le savez certainement, ce dimanche était un jour particulier pour l'Église. Jean-Paul II et Jean XXIII, ces deux anciens papes, ont été canonisés lors d'une messe à Rome. À cette occasion, vous le voyez à l'image, l'archidiocèse de Monaco a proposé de vivre cet événement en direct de la cathédrale. Au terme de la célébration, l'archevêque de Monaco a exprimé sa joie. Sachez que l'hommage au pape Jean-Paul II devrait se poursuivre en principauté au mois de mai. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco présente les idées reçues en préhistoire. Cette exposition ludique s'adresse autant aux plus jeunes qu'à leurs parents. Un reportage de Christine Datomel. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco retrace les jalons les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Avec cette exposition, les idées reçues en préhistoire, des pièces prestigieuses se mêlent à des fossiles et à des affiches correspondant à la chronologie de l'histoire de la Terre. Des pièces issues des collections du musée ou du muséum d'histoire naturelle de Nice et des panneaux qui répondent à des questions telles que l'homme descend-il du singe, les hommes préhistoriques vivaient-ils dans des grottes ou encore les dinosaures sont-ils vraiment des animaux préhistoriques ? Il y en a un certain nombre, comme les dinosaures sont des animaux préhistoriques, alors qu'on parle de l'homme préhistorique, ça voudrait dire que les deux sont contemporains, ce qui est faux, puisque les dinosaures sont apparus il y a moins de 240 millions d'années et ont disparu il y a 65 millions d'années, alors que l'homme est apparu, lui, beaucoup plus tard, hein, à la période quaternaire, c'est-à-dire il y a environ 2 millions d'années, mais on remonte maintenant plus en arrière, jusqu'à 4-5 millions d'années. Pour des préhominidés. Parmi les pièces les plus remarquables, un moulage de Lucie ou encore un squelette de Cro-Magnon provenant de la grotte des enfants dont la fouille avait été entreprise par le prince Albert Ier à la fin du XIXe siècle. Et pour être incollable en préhistoire, vous avez jusqu'au 30 octobre pour visiter l'exposition « Les idées reçues en préhistoire ». Et dans un tout autre registre, sachez que la piscine du stade nautique Régnier 3 a rouvert ses portes ce samedi. La saison 2014 s'étendra cette année jusqu'au 12 octobre prochain. Une fermeture exceptionnelle est prévue durant les 4 jours du Grand Prix. Pour tout renseignement, veuillez consulter le site internet de la mairie de Monaco. Nous restons dans le domaine des activités aquatiques avec l'école bleue qui pourra accueillir les enfants à partir du 1er mai. Les inscriptions pour les stages auront lieu tous les jours entre midi et 14h directement sur place. Une équipe de 14 moniteurs accueilleront et encadreront les jeunes stagiaires afin de leur faire passer des diplômes de plongée et de secourisme. Et nous ouvrons une page sport à présent avec un coup de projecteur sur la victoire de l'ASM Basket face à Vichy ce samedi. Une victoire aux saveurs particulières puisque les Rouges et Blancs fêtaient leur montée en Pro B avec leurs supporters. Émilie Rousseau était sur place. Elle attendait ça depuis début avril, célébrer avec ses supporters son titre de champion de France et son accession en Pro B. C'est désormais chose faite. Samedi soir, l'AS Monaco Basket était de retour sur les parquets de la salle Gaston Médecin. Les joueurs de Savo Vucevic accueillaient le 6e du championnat Vichy. Même si les visiteurs ont fait douter les monégasques au retour des vestiaires, les Rouges et Blancs s'imposent 65 à 54 et restent donc invaincus à domicile. Il faut rendre hommage aussi à l'équipe en face qui n'a pas lâché morceau pendant 40 minutes. C'est une équipe, c'est l'image de marque de cette équipe de jouer très dur pendant 40 minutes. Et bon, moi je suis très satisfait de prestations de mes joueurs parce que ce n'est pas facile toujours être au top et pendant 40 minutes. On a fait une belle première mi-temps et c'est en quelque sorte logique un peu qu'il y ait un relâchement. Sans vouloir le faire, mais
on avait des petits problèmes. C'est un joueur qui ne s'entraînait pas, donc c'est difficile de jouer pendant 40 minutes. Moi, je suis satisfait parce qu'on est invaincu ici tout au long de l'année. 33 matchs joués, 29 victoires pour seulement 4 défaites. Et cette performance de 24 victoires d'affilée, la Roca Team aura réussi la saison parfaite pour atteindre ses objectifs. Pour le président, il y a une seule recette. Le travail et encore du travail. Donc après, c'est une succession de victoires qui a fait acquérir de la confiance. Et après, bon, on a un coach qui est assez merveilleux, donc qui a réussi à vraiment faire prendre une belle alchimie dans l'équipe et un vrai groupe qui est né. Et à chaque fois, on disait que la star, qui c'était, quand on nous demandait, on disait la star, c'est l'équipe. Dans les tribunes et sur le parquet, l'ambiance était clairement à la fête. Il faut dire que le public s'était habillé en rouge pour fêter la montée en Pro B. De son côté, le club avait invité les pom-pom girls des Doll Stars et les Crazy Dunkers pour mettre l'ambiance. Un show impressionnant. C'était une belle fête, c'était un titre qu'on attendait. Ça fait 41 ans que Monaco en basket n'est pas champion de France. La dernière fois, c'était en 73. Et ça fait 22 ans qu'on n'est pas qu'on n'était plus en équipe, en niveau professionnel. Donc c'est vraiment une belle satisfaction ce soir, une belle fête devant notre public nombreux ce soir. La saison n'est pas encore terminée. La Roca Team clôturera ce championnat en se déplaçant à Bordeaux le 3 mai prochain. Et pour terminer ce volet sport, passons au tennis de table. Lors du dernier match, Monaco termine deuxième de sa poule contre le Valois 8-4. A noter que l'équipe a réalisé une saison exceptionnelle pour une première en N1. Et voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons à présent aux prévisions météo. Mardi, prolongement d'une période de temps sec avec des températures qui iront de 16 à 19 degrés. Mercredi, un temps toujours très agréable avec très peu de vent et un mercure légèrement en baisse. Jeudi, une belle journée en perspective avec des températures qui oscilleront de 13 à 20 degrés. Et enfin vendredi, retour des nuages avec un petit vent frais et une maximale de 17 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.